depuis maintenant un bon paquet de temps. On a sillonné la France, voilà. On a présenté le film et tout ça. Ouais. Et donc globalement, quel accueil lui a été réservé pour le moment? Ben, inespéré. C'est-à-dire que moi je fais, j'ai une ambition de faire un cinéma, un cinéma populaire, grand public. Qui s'adresse à tout le monde, qui serait le plus large possible, mais en même temps un cinéma aventureux, qui serait pas vide, qui aurait des... Et j'avais qu'une envie, c'était de le partager avec les gens, et ce qui est très agréable et gratifiant, c'est quand on voit que le film, il traverse, quoi, il passe de l'autre côté, et que le public s'en empare de manière... Et peu importe les âges, les sexes, il y a une sorte de plaisir commun, et c'est ce que je recherchais beaucoup, c'était de me dire comment... Comment retrouver des sensations, moi, que j'ai au cinéma, comme un temple, quoi. C'est un endroit où on est tous ensemble, puis tout à coup, il y a le noir qui arrive, et puis, waouh, l'histoire, elle commence. Et voilà, cette émotion de la vivre avec son propre film, et de voir le public le vivre avec ton propre film, c'est, oui, très gratifiant, très agréable, et ça donne du sens à tout ce boulot, quoi. C'est-à-dire que c'est un boulot passionnant, hein, je ne me plains pas, mais c'est vrai que pendant 2 ans de ta vie, pratiquement, enfin un an et demi sur ce film-là, 14 heures par jour, tu ne vis que pour ça. Donc c'est voilà, maintenant le bébé va partir. Alors j'ai entendu dans une de vos interviews que Belle et Sébastien 3, c'était votre film, peu importe que ce soit une suite, pas une suite, vous c'est votre film à vous. Ça veut dire que vous l'êtes approprié quelque part. Comment vous avez fait, sachant que c'est une histoire qui finalement existe déjà, pour le rendre à votre sauce à vous? Il faudrait que je vous décrypte tout le travail qui a été fait, donc je ne peux pas vous dire comment... ce que je voulais dire par là, c'est que je serais incapable de faire un film de commande, dans le sens où, effectivement, j'ai pris conscience de la licence après le film, c'est-à-dire après l'avoir fait. C'est-à-dire que si je n'étais pas tombé amoureux d'un script en me disant « Waouh, ça m'a évoqué voilà, toute la littérature nord-américaine aventureuse qui avec des parcours initiatiques, qui mélange la nature, les humains... Les animaux, enfin cette espèce de... ça me parlait beaucoup, et quand je dis peu importe que ce soit Belle et Sébastien, c'est pas par mépris vis-à-vis de Belle et Sébastien, sinon j'aurais jamais fait le film, mais c'est juste que tout à coup t'as une histoire toi à raconter, ce qui fait que la manière de se lancer dans un projet ou la manière de le fabriquer, c'est probablement très différent qu'une commande où on te dit voilà, il faut faire ça, faut respecter ce truc là et tout. Personne m'a embêté, et ce qui est formidable, c'est qu'aussi bien au niveau de la production que de la distribution, que j'ai donné j'ai expliqué le film que je voulais faire, parce que je voulais pas qu'il y ait de trucs où on se comprend pas, et pendant que tu fabriques on dit ah oui mais on a vu ces plans là, c'est pas tout à fait l'univers, voilà, je voulais vraiment éviter ça, et eux ils étaient vraiment sur ils avaient pensé les trois films, c'est-à-dire ils s'étaient dit on fera une trilogie avec trois réalisateurs différents, trois visions différentes de Belle et Sébastien. Et du coup, c'est ce que je leur ai proposé, quand ils m'ont proposé de réaliser le film, j'ai dit voilà, moi, le film que je vais faire, il ira vers là. Ils étaient hyper clients, parce qu'ils se sont dit ah bah super, on n'a pas vu, on ne sait pas, donc c'était plutôt très chouette comme partenariat, quoi, on va dire. Alors donc, ce film, vous le réalisez, mais en plus, vous incarnez un des personnages, Joseph, qui est en plus très méchant. C'est vrai que c'est un rôle dans lequel on n'a pas forcément l'habitude de le voir. Vous êtes un peu fait plaisir là-dessus? Vous avez envie de montrer une facette différente? Alors, pas du tout. C'est-à-dire, la réalisation, moi, je suis tombé vraiment amoureux de la réalisation depuis mon premier long métrage. Et ce qui m'importe, c'est le film. Donc, je ne fais pas des films pour me distribuer et me dire « Ah ouais, j'ai envie de jouer ça, personne ne me le propose », pas du tout. Franchement, j'ai besoin de choses... efficace, je veux que ça fonctionne, donc je peux pas vous dire que j'ai pris du plaisir ou pas de plaisir, je l'ai fait tout le temps de la préparation du film. Voilà, le personnage que je voulais dans le film, c'est fabriqué, donc j'avais pas besoin d'y faire très attention. Ce qui était important, c'était de trouver le graphisme. Ça, j'avais très envie que ce personnage là soit une sorte de figure plus qu'un personnage, c'est-à-dire il représente le mal incarné, il n'est pas sauvable, il n'y a pas de rédemption possible, il n'y a pas de psychologie, c'est un personnage où on ne va pas se dire « Ah oui, mais dans son enfance, il a eu des... » Non, pas du tout. C'est comme l'ogre dans Le Petit Poucet, c'est la comparaison que j'ai trouvée la plus évidente pour moi. Donc c'est juste il a une fonction réelle, c'est déjà de faire grandir nos héros. C'est-à-dire que ce soit Sébastien, Belle, César, le maire, Madeleine, tous les personnages qui vont être confrontés à cette ordure vont grandir, parce que cette ordure, elle est terrifiante, elle est réellement
puissante. Elle est pas, je voulais pas que ce soit ridicule, je voulais pas que ce soit gaguesque et qu'on se dise. Voilà, moi souvent sur les films, quand les méchants sont un peu, on va dire, un peu maladroits ou je sais pas, ben finalement mes héros ils descendent parce que je me dis, ouais, bon, il n'y a pas vraiment d'enjeu quoi. Je voulais vraiment qu'il y ait un enjeu, je voulais vraiment que Sébastien grandisse avec cette aventure. Je voulais que César retrouve le côté sexy d'un héros mature. Donc il fallait qu'en face, il y ait une vraie une confrontation où nous-mêmes, quand on regarde le film, on se dit « Oula, j'aimerais pas me retrouver face à ça ». Et aussi bien pour les enfants, pour les grands, les vieux, voilà. Et du coup, c'était difficile de se mettre dans la peau de ce personnage-là ? Non, pas du tout. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai un avantage depuis toujours, c'est que je joue que entre moteur et coupé. Le reste du temps, voilà. Et même quand je ne suis que acteur, je ne suis pas entre les prises. J'ai autre chose à faire. Et alors, en réalisant, du coup, non, il n'y a pas. Et puis, il faut savoir qu'un personnage n'a pas de peau. C'est toujours la vôtre. Donc, quoi qu'il arrive. Voilà, il suffisait de rentrer dans... Non, il y a quelque chose de logique dans les scènes, et une fois que tu sais comment ce personnage, tu as envie qu'il ressorte, ben voilà, il suffit d'être vraiment impliqué, mais il faut être impliqué au bon moment.